clocher. Putain, en plus, là, je vais me faire contrer bannière, je joue comme un cul. Genre, si un cul avait des mains et un ordi, il aurait joué comme moi. Il aurait joué elf, il aurait joué boule d'elf. Écoute, à ce téléphone, je vais aller sur Discord. Supprimer. Je vais t'envoyer un message tout de suite. Je le fais. Regardez. Je vais lui dire, écoute, on est en train de jouer contre toi. Non, non, on sera jamais ça. Est-ce qu'on garde Bontodonte parce que c'est un bon body contre lui ? Hop là, regarde. Kryborg qui met un screen. C'est incroyable, c'est une vidéoception. Il a mis un screen actuellement. Ah mais du coup, attends, on connaît sa main du coup. Ah du coup, on connaît sa main. Ah du coup, on triche Kryborg. On te le dit. Alors là, il a encore une frappe foudroyante. Il a encore un gobelin de chaîne. Attends, il a un coup, est-ce qu'on garde ce Brontodonte? Du coup, et ouais, parce que c'est bien contre lui. Ça bloque bien ce qu'il a dans la main là. Bibliothèque. C'est mal ce qu'on fait. Hein. C'est pas grave. La vidéo est compliquée. Ce sera encore mieux. On pourra dire dans la vidéo, on triche contre un abonné. J'ai regardé cette émission avec un collègue un jour. Et on s'était dit qu'en fait, les mecs qui arrivent en mode j'en veux tant et en fait ils prennent genre un centime, c'est juste des accros au crack. Et ils arrivent. Alors, un mec il a revendu, véridique, hein, des canettes Pepsi ou Coca en mode un peu collector. Ouais, vous voyez, vous pouvez faire un trick avec la bouteille, genre si vous cachez deux lettres. Il dit ouais, j'en aimerais bien, genre 200$. Le mec, je lui dis ouais, non, c'est nul quoi. Ça prend 3 balles. Sentimentalement, quoi. Il dit ouais, alors 40$. Après, le mec il dit écoute, parce que genre ça lui rappelait un bon souvenir, mec. Ouais. Je veux bien être sympa, je te les prends genre 10$, tu vois, mais pas plus. Ce mec a dit ok, hop, il a pris les sous, mais il s'est barré. Et presque, tu le voyais se gratter le bras comme ça. Allez, ça y est, j'ai ma petite dose, ça me fait plaisir ça. Mais c'est tellement ça, mec, c'est ouf. On a cette espèce de petit clairon sécuritaire là, au cas où. Et non pas totalitaire. À jamais. Oh, il est un peu totalitaire le clairon en fait. Il a une certaine permissivité, tu vois, tout est dans la mesure. C'est pire 3, droit. Tu vois. Genre pas plus, donc du coup on n'est pas totalitaire, on est quand même sur de la... Ouais. On est un peu ciblé quand même, tu vois. C'est vrai. On est mesuré, la mesure, le plus important c'est la mesure, toujours. La Nova purificatrice, ça c'est totalitaire. Ça c'est totalitaire, voilà, ça c'est... Ce n'est un pas contre, c'est totalitaire. Ce n'est pas mesuré. Ah, ça y a pas pire. C'est presque comme un droit de veto. Eh, tu sais... Sauf qu'on peut dire non à un contre. Castro, Hitler, ils jouaient bleu, hein. C'est obligé. Hein. À l'époque déjà. Si vieux que ça même. Écoute, peut-être bien. 16, ben on prend. On prend tout. Ouais. Bah oui, parce que ça sert à rien de bloquer un point de dégâts. Donnez-moi ma salve. C'est fort, Griffe Boyau. C'est fort sur 21 cartes de pas piocher salve et de piocher plein de... Ah, il nous tue. Et non, il nous met un. Tiens, chat. Ok. Non, regarde pas Val, c'est moi qui regarde. Piocher. Oh, c'est bon. Pas du tout. Ah mec, pourquoi tu fais ça? Merde. Ton tétatiloté tatou tenace. Ah, j'aime bien ça. C'est même pas en bretagne, c'est un verre. Oh, heureusement pour moi. Si, prêt. Et j'ai pas la suite. Si, prêt. Non, c'est si, prêt. Tu vois ce que tu cliques, mais tu comprends, mais. Tu comprends ou pas? Oui. Ok. Non, parce que je sais pas si t'avais vu. Si, je. Ok. Le mec qui explique sa blague, qui va la chercher en mode tiens, viens là. Horrible. On va faire un téléphone rouge. C'est des gobelins qui te parlent au téléphone. Ah oui. C'est pas mal, non? Salut. Oula. Ça va, monsieur? Tu aimes bien. Horrible. On a un concept là, mais qui marche pas. Si, un truc de geek en mode, je sais pas. Des mecs qui roleplay de ouf, tu vois, tu te dis en mode, bon, bah, je peux coucher avec une gobeline ou une elfe de sang, tu vois. Ouais, ça peut marcher. Ouais, une elfe de sang, je comprends. Mais une gobeline. Gros, tous les goûts seront dans la nature. Ouais, mais il y a plus d'elfes de sang que de gobelins, tu vois, je pense. Oui, mais dans ce cas, tu setuperais pas que des gobelins, tu vois. Ah, tu fais un truc genre. Oui, c'est ouais, je vois. Mais non, c'est pas possible. Fabiano, tu fais pas ça, quand même. Fabiano. Non, Fabiano. Pas lui. S'il te plaît. Pas l'Indien. Mais là, il est en train de lire. Il se dit, mais non, mais c'est pas possible. 4-4. Tu vois, Planeswalker. Le vol. Et là, il se dit, merde. Merde. Là, il y a 15. Il est vraiment piégé, quoi. J'adore. 15 on board. C'est trop bien. Alors, monsieur Fabiano, colosse de la porte. On n'est pas bien. On s'en va sans dire au revoir. Attention, il ne peut plus répondre bientôt. En fait, au GP, on va jouer une version qui joue plus blanc-noir et qui splash le vert. C'est bien, ça. J'ai mon tour 4 en plus qui arrive.
Val, je comprends pas, là, le deck, il marche, hein. Oh, arrête de me trigger. Trigger. Tiens, t'as vu comme je pioche? Ah, t'as vu comme t'es pas bon? Je blaste avec ce deck. Voilà, j'aime bien, ça me fait rire. Oh là là, t'es bon. Non, mais je l'avais scry dessus, j'avais fait exprès. Ah bon? Bah, t'as été bon pour le coup. C'est pas la chance, là. Enfin bon, j'ai été, quoi. Ouais, je fus. C'est un petit lundi pour moi, ça. Tranquillou, Mélou. J'ai pris en compte. Belle qui se caresse les cornes toutes les 3 secondes. Et ouais, parce que je vais... Oh, très belle émoticône. Parce que je me suis rasé non, il y a peu de temps. Vas-y, vas-y. C'est vrai que c'est quali, ça, quand même. C'est quali de faire ça. Ça te plaît? Franchement, je... Incroyable, j'espère que vous avez pris les screens. Est-ce que tu connais ce truc-là, là? c'est l'œuf que tu casses. Ça marche ou pas? Ouais, un peu. Et c'est, en tout cas, ça doit être très marrant pour les viewers. Le mec, il a dû passer une bonne soirée après. Hein. Je pense que le mec, il a dormi, quoi. Mais cash, il a dormi, il est rentré chez lui, bébé. Il a pas fêté, quoi. Il a gagné, il a dit, ouais, me saoulez pas avec ça. Hein. Ouais, c'est bon, j'ai gagné, on en parle plus. Salut, quoi. Oui, vous rejouerez votre deck plus jamais. Je vais manger toutes les cartes de mon deck. Yugi. Et tu vois, et sur Aldraine, c'est 20 chefs aussi. Non, là, c'est une wildcard ou une mythique que tu vas ouvrir. J'ai menti. Non, c'est 20 chefs. D'ailleurs, j'ai fait un test. Il fallait que j'ouvre des rares. J'ai acheté 3 boosters. J'ai ouvert 2 mythiques, une wildcard. Déçu. Et je voulais vraiment ouvrir des rares nuls, tu vois. Genre vraiment. Mais je voulais faire un test et j'ai eu du coup une Aurélia, un Lazav. Est-ce que le jeu ne t'apporterait pas l'inverse de ce que tu attends? Donc arrêtez d'ouvrir des boosters en vous disant ah, il me faut à tout prix une wildcard. Non, le jeu le sent. Mais le jeu, il sent la peur. What il sent votre budget qui est rêche. Donc il vous donne pas ce que vous voulez. You mean Schweppes, Yuma? Voilà. On est parti. A plus. Il a tout sondé. Il a dit non, il va me les enlever. Je les enlève moi. Vas-y, va voir ce qu'il prépare là, j'ai peur. Qu'est-ce que tu fais là, Sadine, dans ton coin? Donne-moi ton carnet. Oh là là, il voulait jouer ça. Oh, Bichette, le tour d'après. Et du coup, là, on a un décèlement qui est vraiment qualitatif. S'il a encore un Ionize. J'ai eu peur. J'ai eu une attaquer à quelqu'un. Et vu qu'il n'y a que toi, Val, c'était toi ou moi. Ça partait là, tout droit. Pouf, pas. T'imagines, je me mets une droite, je me couche en vidéo. Incroyable. La vidéo tourne. Ah, c'est le buzz, hein. Le buzz. Un youtubeur se frappe en live. Il se met KO. Comme ça, là. En vrai, ils sont pas encore en vacances. Hein. Ouais, on le sait. On fait partie du... Il y a les résultats du bac, d'ailleurs, qui sont détentionnés, là. Et non, je crois qu'il y a de la rétention de notes. Ça et qu'ils vont peut-être pas les donner demain. Oh, merde. Bah, j'ai vu ça. On va se faire riège demain, du coup. Ah, du coup, on va attendre. Ouais. De toute façon, déjà, de base, on faisait rien. Ok. Ils viennent, ils font « Ouais, je l'ai. Ouais, j'ai pas. » Et ils viennent nous voir en pleurant, en disant « Qu'est-ce qu'on fait? On a pas notre bac. » On dit, ben, fallait bosser. À l'an prochain. Non, on explique comment ça se passe. On dit, ben, écoute, tu passes un très bon été et tu reviens solide sur les appuis à la rentrée. Voilà. Kiff, parce que du coup, t'as un été de plus. Tranquille. C'est ça. Bien. Ok. Osef. Voilà, parce que je reprends en main. Ok. J'ai pas compris ce que ça a changé, mais ok. Mais c'est trop fort. Mais c'est trop fort. Comme incroyable. Disait Jacques Villeray dans La Soupe aux Choux. Le Bombay. Le Bombay. Le Bombay. Le Glaude. Hein, voilà, ça t'apprendra. Nous, on corrige, nous. Nous, c'est on ça. On calotte. Calotte sur ta bouche. Ah, une araignée domestique. J'avais une araignée domestique qui s'appelait Kushusha. 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 Pas d'attaque. À la base, je l'ai renommée Kushusha parce que c'était déjà l'araignée domestique de Mika, notre ami commun. Et il avait deux araignées domestiques, lui, qui s'appelaient du coup Kushushu et Septune. C'était incroyable. Et du coup, moi, comme c'était une femme, elle est passée de Kushushu à Kushusha. Mais ouais, c'est normal. Faire Chupacabra, le mec qui protège. Hey, qui gagne la vie. Bah, je me disais que c'était pas très très bien, mais. Mais t'as quand même réfléchi comme un pro et j'apprécie. Gros, des fois je dis des trucs pas bien, donc. Et tu me dis pas, non, mais c'est de la merde. Tais-toi. Des fois, je dis, ouais, ok, peut-être. Ouais, peut-être, mais si je préfère mon play, quand même. Voilà, et peut-être que tout le monde préférera. Je sais pas. Ouais, t'es sûr, Val? Vraiment? Vraiment, t'es sûr de toi? T'as bien tout pris en compte. Auto-correction, tu sais. Rends-toi compte tout seul. Relis. Ouais. Relis ta phrase que tu viens de prononcer. Si je paye 2 points de vie, j'ai perdu. Eh ben, paye pas, alors. Je te dis un secret. Indice. Chez vous. Ah mais j'ai perdu, il va mettre des marqueurs et on a perdu. Il l'a peut-être. Qu'est-ce qu'il pense? Le dis pas tout haut, Pierre-Louis. Il va t'entendre. Ah putain, il m'a entendu. Putain,